Bien-aimés en Christ, bonjour. Aujourd'hui, le thème de notre exhortation nous interpelle à connaître et à marcher dans la vérité. 1 Timothée chapitre 6, verset 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Dans 2 Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit « L'ancien Akiria, l'élu à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui l'aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Soulignons que personne n'a jamais écrit autant à propos de la vérité et sur l'usage de ce mot comme Jean. Pourquoi était-il si désireux d'en parler? Et était-il si conscient de la vérité? Il a compris ceci lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean chapitre 14, verset 6. Aucun des autres écrivains des évangiles n'a cité Jésus à ce sujet. Mais pour Jean, c'était très important. Dans 3 Jean chapitre 1, il dit « L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » Ici, Jean appelle l'évangile de Christ la vérité. La vérité est la réalité. La parole de Dieu qui nous a été donnée est vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sa parole est vérité. Vous pouvez être aussi prospère et en bonne santé et réussir autant que vous le souhaitez. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipliner votre pensée afin de toujours rester sur la vérité de la parole de Dieu. Peu importe ce que vous entendez ou ce qu'on vous rapporte à propos de votre santé, famille, vos finances, vos affaires, etc., tant que cela n'est pas conforme à la vérité de Dieu, ce n'est pas un facteur. La vérité n'a rien à voir avec les signes physiques ou les perceptions sensorielles. Lorsque vous connaissez la vérité, par exemple, vous ne serez pas perturbé si le diable vous disait que vous allez mourir du cancer ou d'une quelconque maladie. Lorsqu'il vous chuchote de telles pensées, faites taire sa voix en répondant avec la vérité de Dieu. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi et il a rendu la vie à mon corps mortel. Le Saint-Esprit veille sur mon corps. Alléluia. C'est ça, marcher dans la vérité. Il y a des choses que vous devez complètement rejeter dans votre vie. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, parce que vous êtes conscient et contraint par la connaissance de la vérité, de gloire en gloire, en son nom. Amen. Prions ensemble. La vérité de Dieu est révélée dans mon esprit. Et je marche dans la vérité. Je suis devenu un avec la vérité. Je suis contraint par la connaissance de la vérité à marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie
et établit sa justice sur la terre au nom de Jésus-Christ. Pour une étude approfondie, lisons 1 Jean chapitre 2 verset 21, Hébreux chapitre 2 verset 1 et Jean chapitre 8 verset 32. Demeurez infiniment bénis. Amen.